Aujourd'hui, on vient de terminer notre deuxième stage local. Depuis que, en ce qui concerne la préparation pour la Coupe arabe, on est sorti de la Coupe de la Nouakchott Cup avec quatre confrontations. Bon, surtout la dernière a été extrêmement difficile parce que les gosses avaient plus de ressources dans les jambes et surtout le groupe était très diminué, avec plus de trois joueurs blessés. Et là, on a incorporé de nouveaux joueurs. Trois joueurs de champ et deux gardiens. Le groupe continue à grandir. Ceux qui seront définitivement retenus, c'est ceux qui garderont la meilleure forme et la constance. Donc on espère revoir le groupe entier en mois de juin, au moins le groupe local. Par contre, les expatriés, on les aura pour le mois de juillet, début juillet, où on va entamer. Le stage de Tunisie pour préparer la Coupe arabe. Voilà, en grosso modo, les prochaines séances, le groupe continue à grandir, les gosses sont conscients, malgré une fin de saison qui va être très difficile avec les objectifs en club et tout ça. Donc, et les gosses, il y en a quelques-uns qui est normal, ils disputent les premiers postes du championnat, la Coupe du Président, donc ils ont plus la tête en objectif de club, mais on espère qu'en juillet, le championnat sera, et là, aussi bien que le championnat et la Coupe toucheront à leur fin et qu'on aura tout le monde à 100% à la tête à la Coupe arabe et la préparation des qualifs.